Je vais vous transformer pour atteindre mon image glorieuse et éternelle. 12 août 2019. Parole de Dieu le Père à sa messagère et prophète Stéphanie, lue par Justine. Mes enfants, nous entrons dans une ère nouvelle. Je sépare les brebis des boucs. Je mets une séparation entre le juste et l'injuste, entre la sainteté et le péché. Et tous verront que vous êtes mes enfants. Vous serez haïs de tous pour cela. On vous persécutera. On vous fera battre de verges. Vous comparaîtrez devant les tribunaux pour la gloire de mon nom. Je vous donnerai mes paroles, mes mots, mes capacités afin de répandre mon glorieux nom devant les nations. Bien que votre environnement changera, vous vivrez dans ma paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Vous n'aurez plus peur, car je vais vous rendre inébranlable. Vous ne serez pas encore immortel, mais votre hardiesse, votre persévérance sera redoutée. Je mettrai en vous un feu, un esprit dévorant qui vous dirigera dans toute la vérité. J'accompagne chacun d'entre vous. Déposez-moi vos cœurs, je vous visiterai puissamment. Je prépare de nouvelles rencontres qui vont vous propulser dans vos destinées. Remettez-vous à moi et demandez-moi, je vous donnerai en abondance. Vous avez peu de temps pour devenir à ma ressemblance. Chaque membre a sa place, chacun dans sa fonction particulière. Je vous demande de me consulter, de me chercher, de marcher uniquement selon mes instructions. N'ayez d'attrait pour rien d'autre, mes enfants. Ayez en horreur ce monde qui ne me voit pas et qui m'a rejeté. Écoutez ma voix qui résonne comme un tonnerre. Écoutez et entendez. Cherchez ma présence. Vous serez guidés par le souffle de vie. Ma vie vous remplira. Ma vie jaillira. Ma vie resplendira et tous verront que vous êtes mes enfants. Écoutez et entendez, je suis l'Éternel et j'annonce mes jugements sur le méchant. Il ne sera pas relevé, il succombera sous le poids de son péché et de sa méchanceté. Il subira ma colère à coup sûr. Ma patience est arrivée à son terme. Je vais rétribuer. Mes enfants, soyez prêts à me reconnaître. Soyez prêts à souffrir pour cela. Vous allez entrer dans la vie du royaume. Vous allez voir avec mes yeux, entendre mes paroles que nul ne connaît, toucher avec mes mains, parler avec ma voix et sentir. Oui, sentir chaque particule de ma présence en vous. Je vais vous transformer pour atteindre mon image glorieuse et éternelle. Regardez et voyez comme je vous aime. Préparez-vous. Référence scripturale.
Psaume chapitre 20, versets 2 à 10. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Malachie chapitre 3, versets 17 à 21. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées.